Mais wesh la team, c'est Ekeis. Aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo sur Dokkan Battle. Les amis, aujourd'hui c'est la vidéo revanche sur Bulma LR et potentiellement Goku, ça va dépendre. Si jamais je chope Bulma, bah du coup... Non, faut pas que je dise ça. Parce qu'à chaque fois que je dis ça frérot, à chaque fois que je dis quand je vais si je chope telle unité, bah je passe sur un autre portail, je drop jamais rien. Donc du coup je ne dis pas ça les frères, aujourd'hui on va tout donner pour tenter d'avoir le top LR les frérots, la Bulma LR qui est totalement exceptionnelle pour que du coup on puisse la tester sur notre compte à nous, en live sur Twitch. Bref, les frères, vous, j'espère que vous avez du lourd dans vos invocations, que ce soit l'invocation légendaire et l'invocation du Goku et de Piccolo. Heureusement que j'ai le Piccolo parce que sinon j'allais péter un câble vu que c'est dernier portail, j'ai vraiment rien eu. Donc voilà, au moins là on va faire une belle vidéo invocation. Donc je compte sur vous derrière l'écran les frérots pour bombarder cette barre de pense like à 1000 minimum. À 1000 pouces bleus les amis, je vous sors un random rush samedi. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Écoutez-moi bien les frères, 1000 pouces bleus dans cette vidéo et un random rush samedi avec... Je sais pas qui. Je pouca pas, je sais pas, une balance. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai été contacté par FlexiSpot pour vous présenter un bureau, un nouveau bureau, un nouveau modèle qui vient de sortir. Donc je vous laisse avec l'OP. La team, j'ai reçu une véritable dinguerie, le dernier modèle E8 des bureaux assis debout de la marque FlexiSpot avec un nouveau plateau marron à cajou. Le montage est extrêmement simple. Déjà, comme tu peux le remarquer, tu reçois le bureau dans deux colis bien séparés pour éviter d'abîmer le plateau. Et le second, où tu pourrais y retrouver les pieds, les vis et également le panneau de contrôle qui te servira de monter et descendre le bureau. Déjà de base, le plateau est très robuste et de bonne qualité. Nous avons choisi un plateau de 140 cm de longueur, 70 cm de largeur pour pouvoir y mettre les trois écrans d'ordinateur. Regarde-moi ce design de fou. J'aime énormément le design du plateau, je le trouve très élégant. Le panneau de contrôle te permet bien entendu de lever ou de baisser le bureau pour pouvoir varier tes positions, que ce soit assise ou debout. Moi personnellement, proposer du contenu debout et assis permet de dynamiser mes vidéos ou live et également de dégourdir mes jambes. Tu peux profiter en ce moment même des super promos FlexiSpot allant jusqu'à 35% de promotion, c'est une dinguerie. Les liens pour vous procurer cette pépite est disponible dans l'espace description et également en commentaire épinglé. On remercie énormément FlexiSpot pour cette dinguerie, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Je vous ai dit que c'était une grosse dinguerie monumentale, les bureaux FlexiSpot qui te permettent du coup de te lever et descendre. Moi je, bah voilà, moi tu sais très bien, je me lève des fois, je m'assois des fois. Bon là on est souvent assis parce que je tombe des nues sur Dokkan Battle, toi-même tu sais les frérots dans l'espace commentaire. Donc là j'espère vraiment avoir du lourd dans cette vidéo et j'espère que FlexiSpot va me porter chance dans ses invocations. Bref, 200 Dragonstone les amis pour entrer dans la légende pour cette revanche Invocation Celebration Completion sur Bulma LR. Oui, il y en a plein derrière l'écran qui vont me dire mais Case, mais qu'est-ce que tu fais, il y a l'anniversaire qui arrive. Effectivement les amis, il y a l'anniversaire de Dokkan Battle qui arrive en juillet. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup de Dragonstone free-to-play à récupérer pour l'anniversaire, je crois. On a 999 levels à faire ensemble. On a 999 levels à faire en live, donc je compte sur vous les amis pour rejoindre le live, les lives sur Twitch, twitch.tv/Ekeis. Parce qu'effectivement, je vous ai pas oublié les frères, c'est juste que je pense que vous savez pas que je live sur Twitch. Allez, c'est parti pour la première multi-invocation, s'il te plaît, Bulma. Pas de faille de rosé. Trunks et Goten. 3 SSR ou détecteur. Ah. C'est non. Merci, FlexiSpot. Let's go. Non, mais c'est une dinguerie. Oh, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie. Wesh, Bulma, viens quoi. Viens dans le quoi. Oh, c'est une dinguerie. 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 Oh, je suis au top. Oh, je suis au top. Bon, bah, la vidéo invocation, elle est terminée. Hein. Y a pas besoin de continuer. Y a pas besoin de plus. Y a pas besoin de forcer. On est bien. De la première multi, la Bulma LR. Je compte sur vous pour exploser la barre de pense like, les amis, derrière l'écran. La Bulma LR dès la première multi. Bon, bah, du coup, on va pouvoir passer à Goku. On n'a plus besoin, je pense, on n'a plus besoin de trop forcer sur ce portail légendaire de Krapops. Vas-y, moi ça me va. Moi ça me va, on passe à Goku. Oh, surtout qu'il manque le kit Boo derrière. Hein. Là, je les ai tous. Enfin, sauf Krillin. Mais Krillin, il est comme ça, donc non. Mais il reste le kit Boo. Là, la Bulma, c'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin de forcer, je la voulais pour la collection et aussi parce que c'est pour moi
top 3 LR du jeu. Elle est trop forte, frère, la Bulma, elle est trop forte. Donc du coup, on va tenter d'aller chercher le Goku. Qui c'est dans cette vidéo, Flexispot? Flexispot qui va nous... Peut-être nous ramener le Goku. On va voir ça. Non, pas d'animation. Et là, c'est un deuxième Zeno qui tombe. Oh, t'imagines deux Zeno d'affilée qui tombent. Non, tain, ça aurait pu être incroyable la vidéo. Et si j'ai droit? Pas de si god. Finesse de pomme de terre de Rapop, c'est dommage. Ok. Goten. Goku. Chichi. Oh là 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 là. Mais la dinguerie. Mais la grosse dinguerie, les frères, cette vidéo. Mais attendez, les non mais c'est... C'est une blague. Bah, les frères, y a plus besoin de continuer la vidéo. C'est une blague. C'est une blague. Coucou Norlax. C'est une blague. Oh, oh de... Mais c'est une blague. Bah, les amis, je... Bah... Quand même, pour la vidéo, on va respecter, on va continuer à invoquer. Hein. On va continuer à invoquer. On pourrait garder nos Dragonstone et partir en légende parce qu'on a eu Bulma et Goku. Qu'est-ce qui se passe? Je fais la multi sur Piccolo, j'ai un doublon de Piccolo. Bah vas-y, on va tenter. On va tenter. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Je chope les trois d'affilée là. La Bulma, le Goku et Piccolo. Vas-y, on va tenter. Allez, troisième multi invocation avec plaisir. Je sais pas, les amis, ok. Bon, bah là du coup, il n'y a pas d'animation. Il n'y a rien, glisser normal. Arc-en-ciel. Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas eu arc-en-ciel. Look à ma mère, Tekken Fest. Mais arrête tes conneries. Mais... non, quand même pas. Ça serait du jamais vu. Ça serait du jamais vu dans Dokkan Battle, les amis. Ça serait vraiment du jamais vu sur Dokkan Battle. Goku. C'est pas le bon Goku. Le bon Goku, c'est le tech. Donc, il y a ma mère du coup qui te garantit un Dokkan Fest. Si on peut avoir Piccolo Shad. Non, là c'est Gohan du coup, vu qu'on est sur le portail de Piccolo. Donc, c'est Gohan. Si on peut avoir Gohan LR, moi ça me va. Hein. Moi ça me va de ouf. Ok, ça va être la dernière unité. Ah, ok, je prends. J'avais pas 100%. Je prends. J'avais pas 100%. Mais. Ah, c'est pas terminé. Ok, seule puissance, je prends. Oh, ça aurait été du jamais vu. Trois portails. Et on aurait eu bah, du coup la Bulma de la bannière, le Goku de la bannière, plus le Piccolo de la bannière. Mais exceptionnel. Mais cette vidéo, elle est folle. Frère, elle est folle cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bombarder la barre de pouces bleus. J'espère que vous allez partager à vos potes. Parce que ça, je n'ai jamais vu ça de l'histoire de ma vie. Eh, je vous donne ma luck si vous bombardez les sus dans l'espace commentaire. Je veux voir que des sus dans l'espace commentaire. Je veux 250 000 commentaires. Su, je vous donne ma luck pour l'anniversaire. C'est bon? Là, ça y est, là. Moi, je peux plus. L'anniversaire, je peux plus. Allez, on retourne sur Bulma. La dernière multi sur Bulma. Si on peut avoir un LR qu'on n'a pas, genre un Gataizamas, ça serait vraiment incroyable. On va pas. Voilà, allez, pour la vidéo, petite multi. On regrette pas du tout cette multi invocation. On regrette pas du tout cette vidéo invocation. Ah, c'est 18 Goten. On regrette un petit peu cette multi invocation. Relâchez une fois. Relâchez deux fois. Relâchez trois fois. On bombarde. Et j'avoue qu'une petite multi sur Goku, ça aurait été un peu mieux, je pense. Je me disais, allez, vas-y, pourquoi pas terminer sur un LR. Vegeta 2016, les amis, ou 2015, ce Vegeta. Si on peut avoir plein d'SSR là, s'il vous plaît. Chichi, en Y. Ginyu. Docteur Gero. Gohan. Ah, j'ai cru il allait switch Drum. Drum. Et le C17 qui veut mettre une gifle. Voilà, ça se termine quand même en beauté, les frérots, avec un beau C17 comme ça. Non, franchement, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est une dinguerie monumentale ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Clairement, bah, du coup, deux Dokkan Fest déjà. Deux Dokkan Fest plus la Bulma LR. Je veux bien tenter. Non, on tente pas de single, on garde nos Dragonstone. Même si là on a été assez gourmand pour cette vidéo. Voilà, on voulait quand même vous faire un petit kiff. Et j'espère que derrière l'écran vous avez kiffé. En tout cas, moi je suis totalement choqué de fou malade.
Je suis choqué. Mais vraiment, je suis choqué. Bref. Les amis, je vous laisse sur ça. Merci mille fois d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et n'oubliez pas que fin de semaine, nous avons l'anniversaire de Dragon Ball Legends. Et venez rejoindre les lives sur Twitch. Parce que ça serait vraiment dommage que vous manquiez les invocations en direct sur Twitch. Voilà. Et vous ça, à tout de suite les amis, pour de nouvelles aventures. Chaque jour. Bye. Incroyable.